Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un vlog et je vais vous partager ma soirée d'anniversaire surprise de mon frère. Mais juste avant, j'ai pris quelques petits moments de ma journée de samedi. Je devais finir mes machines. Donc là, je suis en train de sortir les vêtements dans le lave. Dans le lave-vaisselle, j'allais dire. Non. Dans le lave-linge. Et le mettre à sécher. Donc voilà, j'ai lancé le programme. Et je vais encore remettre les autres vêtements dans le lave-linge pour continuer les machines. Et après ça, je vais aller coiffer Mimi. Et du coup, voilà, on se retrouve là maintenant. Je suis en train de coiffer Mimi. Je vais lui faire une petite coiffure basique, hein. Rien de grave. Je vais lui faire avec les élastiques. Ses cheveux sont déjà propres. Je lui avais fait les élastiques, enfin les fils pour garder la souplesse dans ses cheveux. Je lui ai fait la coiffure avec les fils, sous Camillaï, comme on dit chez moi. Pour garder la souplesse dans ses cheveux. Et pour coiffer Mimi, moi, j'utilise l'huile de coco. Sur les cheveux de Mimi, je mets l'huile de coco et les démêlants pour enfants. Les démêlants, vraiment, ça aide à démêler les cheveux pour pas que ça soit douloureux lorsque je lui coiffe, quoi. C'est vraiment très bien. Et en même temps, ça nourrit les cheveux. Donc, voilà, je suis en train de faire ça. Voilà, il est là, les démêlants. C'est pour les cheveux des enfants. Donc voilà. Et après ça, je vais lui coiffer. Comme j'ai dit, vraiment une coiffure basique. Hein, avec les élastiques, quelque chose de rapide pour pas que ça me prenne beaucoup de temps. Et après ça, on va s'apprêter pour partir au restaurant. Donc voilà, j'ai terminé les cheveux de Mimi. Maintenant, on va s'apprêter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire surprise de mon frère. Mais lui, il sait pas. Il sait qu'on doit se retrouver tous au restaurant. Mais c'est pour ma nièce. Parce que comme ils sont nés le même mois, et on lui a fait croire que c'est ma sœur qui nous invitait tous au restaurant pour fêter l'anniversaire de ma nièce. Alors que non, c'est maman qui nous a invités tous au restaurant pour l'anniversaire de mon frère. Donc, notre frère est né. Et maman, elle avait dit, on va lui faire une surprise. Donc, elle nous a tous invités au restaurant. Et donc, lui, il va venir en sachant que c'est l'anniversaire de ma nièce. Mais en fait, non, c'est son anniversaire. Donc là, j'ai fini les cheveux de Mimi. On va s'apprêter et on se retrouve dans la voiture. Les amis, je vous retrouve dans la voiture, comme je vous avais dit. On est en route. Mais arrêtez de parler. Voilà les amis, je vous reprends dans la voiture, comme je vous avais dit. Donc là, on est en route. On va arriver pile poil avant que mon frère arrive. Et j'ai hâte de lui faire la surprise. On verra bien. Je suis stressée. Je stresse à sa place. C'est même pas ma fête, mais moi, je stresse. Donc voilà, là on est encore en Suisse, donc le restaurant c'est en France. On va arriver et puis on verra bien comment il va réagir. Il sait pas, le pauvre, lui il sait que c'est l'anniversaire de ma nièce. Donc, mais nous on a tout concocté pour qu'on lui fasse la surprise. Donc je vous reprends dans le restaurant, donc je vous dis à tout à l'heure.
Donc voilà, là on est en train d'arriver gentiment, on écoute la musique et tout, on danse. On a déjà traversé la douane française. On est maintenant en France et on se dirige vers le restaurant. Et j'aime beaucoup le paysage par là, j'aime beaucoup ces montagnes. C'est vraiment très joli, alors je voulais vous les partager. Si vous êtes des amoureuses ou des amoureux des montagnes comme moi, j'aime bien regarder les montagnes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est quelque chose qui me fascine en fait. Donc voilà, je vous partage un peu ce qu'il y avait autour comme paysage. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc voilà, on avance tranquillement, on arrive et on se retrouve tout à l'heure dans le restaurant. Et nous donc voici arrivés au restaurant, donc on s'installe et tout tranquille. Donc là, comme vous voyez, il y a maman, il y a mon mari, il y a ma soeur. Et de l'autre côté, il y a tous les enfants. Donc il y a les enfants de ma soeur et mes enfants. Et les enfants de mon frère vont arriver. Donc mon frère et sa famille, ainsi que ma petite soeur vont arriver au même moment. Donc on les attend. Et donc voilà, on s'installe. On a fait deux rangées, une rangée de tables pour les adultes et une autre rangée des tables pour les enfants. Donc voilà, là on attend. Et maman nous faisait rire parce qu'elle ne voulait même pas boire. Elle attendait seulement son fils. Elle attendait seulement son fils arriver. Franchement, ma mère et mon frère, ils ont une relation, je dirais, plus que fusionnelle. Et c'est vraiment quelque chose. Ma mère et mon frère, c'est une autre chose. Bref, bon, maintenant en tant que mère, je peux le comprendre parce que moi aussi, avec mon aîné, je sais que j'ai une relation. Assez similaire. Donc aujourd'hui, au début, quand on était plus jeune, on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, je comprends parfaitement. Donc du coup, voilà, mon frère, il va arriver. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Daddy! Joyeux anniversaire! Motama! Joyeux anniversaire! Ça va? Ça va et toi? Oui. Et donc voilà, il est là, la surprise est faite. Il était très, très ému. Il s'attendait pas vraiment, parce que lui, il savait qu'il venait là pour ma nièce, d'ailleurs celle qui passe là, parce qu'ils sont nés au mois de septembre, les deux. Et lui, il pensait que c'était vraiment pour lui. Alors, il a été vraiment surpris et il a été très, très, très touché. On lui a vu vraiment être très touché et on a beaucoup rigolé. Et du coup, je disais à maman, maintenant c'est bon, tu peux boire. Tu peux boire maintenant, c'est bon. Elle m'a dit, oui, c'est bon, maintenant la fête peut commencer. Donc voilà, on est là. Et lui, il était toujours en train de dire, waouh, quelle surprise, je ne m'attendais vraiment pas. Et voilà, donc là, vraiment, on peut commencer. Et on est en train de commander à boire et tout. Et comme c'est un restaurant chinois, buffet à volonté, donc après, on va s'élever, on va aller se servir tranquillement. Et donc voilà, ma mère, elle a dit, la fête peut commencer. Donc voilà, je vous laisse avec les images. C'était vraiment un moment chouette. On a passé un très bon moment en famille, rien que maman et ses enfants, ses beaux-enfants et ses petits-enfants. C'était vraiment génial et c'est ouais, c'était cool. Quelle surprise, Je suis content, bien.
Et donc voilà, c'est vraiment la fête. Et oui, je sais que certaines vont me demander. Oui, effectivement, mon mari et mon frère ont le même prénom. Les deux s'appellent Daddy. Donc, du coup, là, il y a mes nièces. Mes bébés, oulala, quand je les vois comme ça, je n'en reviens pas. C'était mes filles, mes bébés à qui j'ai donné le biberon, j'ai changé des couches. Aujourd'hui, elles sont devenues des grandes filles. Là, il y a leur maman, c'est mère et fille. On dirait des copines, hein. Franchement, le temps passe trop, trop vite. Vraiment, c'est... Donc, voilà. Là, on va manger. Et on poursuit vraiment la soirée tous ensemble. Ça papote, on parle et tout. C'était vraiment cool. Et voilà, l'ambiance continue, ça papote. Et voilà, donc là, on est en train de planifier certaines choses. Et mamie là-bas, elle fait les stories. Elle fait les stories, les snaps avec sa petite fille. Elle se moque d'elle en même temps. Bref, donc c'était vraiment ça l'ambiance de la soirée. On a parlé, on a bien mangé. Et là, on arrive gentiment vers la fin pour souffler le gâteau. Et donc voilà, il y a quand même deux gâteaux. On avait décidé de faire deux gâteaux pour l'oncle et la nièce. Comme les deux, ils sont nés le même mois, donc on a décidé de leur faire quand même que les deux ils puissent souffler le gâteau. Et en plus, elle, c'est la première petite enfant de ma mère. C'est l'aîné de tous les petits enfants de ma mère. Et mon frère, bah, c'est l'aîné. Du coup, maman, elle avait dit, bah, on se retrouve au restaurant pour cette occasion. Donc, c'est maman qui nous a tous invités et ça nous a fait tous plaisir de se retrouver là, quoi. Donc là, on enchaîne, on va manger le gâteau et on arrive gentiment vers la fin de la soirée. Et donc, voilà. Après ça, bah, la soirée, on va clôturer. OK. Donc voilà, on mange le gâteau gentiment et l'oncle, lui, il était en train de faire son discours. Les nièces, elles étaient mortes de rire. Elles étaient mortes de rire. Franchement, c'était un chouette moment, une très belle soirée en famille et on a vraiment profité tous ensemble. C'était génial. Donc voilà, je pense que là, on arrive vraiment vers la fin. Je vais vous laisser. Cette vidéo arrive vers sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un chouette moment en la regardant. Et quant à moi, je vous dis à très, très, très bientôt. Prenez bien soin de vous.
On se retrouve très, très, très prochainement. La mère Mogrosso, elle va régler la facture. La patrona, elle va régler la facture. Et nous, on va rentrer, quoi. On a mangé, on a bu. Hein?